Et de retour dans FP Manager 2009, où nous en étions restés sur notre belle victoire contre l'OL, l'Olympique de Lyonnais, notre belle défaite contre Tours. Mais Tours, vous savez ce qu'est le karma? Le karma, c'est que vous êtes dernier en Ligue 2 et on vous a battu. Ah oui, ça c'est la vraie vie. Ah oui, là, c'est plus dur pour vous, Tours. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? On a en trêve internationale ici. En trêve internationale. En trêve hivernale, pardon. Donc on a la mi-saison, alors non, si est 16ème de Ligue 2, bah oui, un petit peu, on est pas très bon. Et Metz est toujours dernier de Ligue 1, mais attention, Metz vient d'enchaîner deux victoires de suite. Ouh! Ça leur fait trois victoires en tout. Bon, mois d'octobre, match retour contre le Pana, deux matchs difficiles en championnat, match retour de la petite Coupe d'Europe contre le Panathinaikos. Match difficile contre Paris et Monaco, deux matchs plus simples, c'est Le Mans et Sochaux, puis il y aura sûrement des matchs de sélection nationale. C'est quoi ça, journée sponsor? Ok. Donc il va falloir qu'on gagne contre le Panathinaikos, après on pourra passer à la phase de groupe. Ce serait bien, ce serait bien. Guillaume Jeannot et la tactique. Guillaume Jeannot a clairement fait comprendre à notre assistant David Lalanne qui n'y connaissait rien du tout en tactique. Bah écoutez, c'est probable, hein. Franchement, on est à la SNL, tout est probable. Putain, il est nul, Lugo, c'est. Y a-t-il déjà une tactique à la SNL? Je n'en sais rien. Votez pour le footballeur du mois. Oh, bah, pour le Peggy, hein. Grosso. Oh, il était nul. Ouais, j'ai dit Otis, t'as joué à Monaco, je te filme. Oh, putain! David! Putain, il était nul à chier. Qui a manié l'autre sous la forme? Oh, ok. Alors. Mais Junior ont battu 6-0 la Berrichonne de Châteauroux, bah putain. Ok, Geoffrey Adjei impatient de jouer en équipe première. Non. Écoute, non. Geoffrey Adjei est déçu. Déçu et triste. Landry Ngamou s'inquiète pour son avenir en sélection nationale. Alors oui, ça vous aurez souvent, vos internationaux vont être... vont accuser une baisse de morale quand ils ne joueront pas beaucoup, parce que... Ils sont internationaux, donc ils méritent de jouer dans le club. Voilà ce qu'ils se disent. Parce que Ngamou doit être international, camerounais, je crois, oui, camerounais. Ok, bon bah dommage. Enfin, je crois que c'était le match. Que demandez-vous à vos joueurs? Ce n'est qu'en jouant comme une équipe que l'on peut atteindre ses objectifs. Qu'ils vivent pour le football, qu'ils fassent passer l'intérêt de l'équipe en leur ambition personnelle. Voilà. Ça c'est la SNL. Ça c'est mentalité ASNL. Et voilà. Morale de tous les joueurs plus 1. L'équipe avant tout. Alors, le Panathinaikos. Qui vais-je aligner? Moi, Gaston Colbado, aligne-moi, je suis international français. Non, je vais plutôt mettre Fortuné hein, à la place de Dia. Calvin, on va te faire un peu jouer, tiens. Ah, puis Aldero aussi, tiens. Le crack. Samy là. Ah, puis tiens, Zerker, on place un peu Ferré. Fais-moi rêver, Mountsef. Ok, on va jouer un très élevé. Jouer la montre. Oh, défensif plus classique. Ok, c'est bon pour moi. Alors, par contre, ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, un agent vous propose un jeune talent. Alors, ça, c'est très bien. Souvent, de temps en temps, les agents vont venir vous voir et vous offrir des jeunes talents. Avec différents types de talents. Donc, là, vous avez pour un junior très doué. Ça signifie que le junior est moyen en fait. Soit il vous dira, il est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il faut le prendre, ou alors ça va être. Il laissera son empreinte sur le monde du football dans les 10 dernières, dans les 10 prochaines années, ce qui fait qu'il est excellent, il doit être 4 étoiles. Lui, à mon avis, ça doit être un 3 étoiles ou un 2,5. Enfin, quoi qu'il en soit, je le prends. Peut-être la future pépite, je ne sais pas. La future pépite des gardiens qui va nous remplacer notre Gennaro Brasiliano. Ou notre Gregorini, enfin. Ce sera pas compliqué de remplacer Gregorini. Hein. Allez, le match contre le Pana. Bon, il faut qu'on gagne là contre le Pana. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ou qu'on perde que d'un but d'écart. Je rappelle qu'on a gagné 2-1, il me semble. Allez. Ou 1-0, oh, je sais plus. 0-0, c'est bien. Ma défense tient le choc. Oh, par contre, le milieu, Béranguet, allez hop, Malonga. Oh, puis Zerka, elle est ferrée. Et Youssouf, Dia. La Fortuné se démerde plutôt pas trop mal. Bon, allez. Un petit 0-0, ça me va. Ouh! Et donc, nous sommes qualifiés pour le phase de groupe. Vous voyez, donc une phase de groupe avec 5 chapeaux, parce que c'est fait en chapeaux. Le chapeau des bons et le chapeau des plus mauvais, en fonction de nos résultats en Coupe d'Europe, etc. 8 groupes avec chacun, bah j'imagine 5 par groupe.
Très bien. Alors nous allons lancer. Alors oui, c'est bien un système de chapeau. Donc en fait, le premier... eux, ils ne peuvent pas être dans le même chapeau. Ce sera un de là, un de là, un de là, un de là, un de là. Voilà, ça fait un chapeau. Donc on voit qu'en haut, on a quand même les grosses équipes. Atlético Madrid, Milan AC, Valence, Manchester City, Hambourg. Séville, Fenerbahçe. Derrière, nous avons... Oh, des grosses équipes, même Paris, Marseille. Bruxelles, puis à la fin, bon, on a quoi? Les Young Boys de Berne. Kayserspor, Austria Vienne. Ouais, c'est pas des grosses équipes. On est quand même chapeau 4, vous remarquez. Alors, comme club français, nous avons Paris-Marseille, Saint-Étienne, Rennes et nous. Oh, 5 clubs, on est plutôt bien passé. Alors, on se retrouve donc dans le groupe contre le Locomotive Moscou, Everton, le FC Copenhague, donc un club danois, et les Young Boys, un club suisse. Ce qui nous fait donc. Bon. Wow, on pourrait peut-être s'en sortir un petit peu. Everton, Locomotive, ça va être dur. Rennes se retrouve avec le Milan AC, Dortmund, bon, ils sont sortis. Groningen, c'est un club néerlandais. Kayserspor, qui est un club turc. Saint-Etienne a plutôt de la chance. Portsmouth, Erevan, le club chypriote, Timi machin. Et Fenerbahçe, club turc. Paris, Manchester City, ça sera dur. Alkmaar, Brøndby, ah, ils ont plutôt un bon groupe. Et Marseille, Valence, La Samp, Zurich et Urzhniki machin. Ok. Bon, c'est pas des groupes très très. Très très relevé, donc on a fait 0-0. Ah, Elder a bien joué, vous avez vu? Ça y est, il est en jambes. Oh, ils ont rien fait en face, ouais. Est-ce qu'il y a eu un club français éliminé du coup? Parce que bon, Paris. Paris a gagné 3-0 au retour. Marseille a gagné 6-0 au retour. Ah, ouais, quand même. Alors qu'ils avaient perdu à la base 1-0. Ils étaient mal partis, mais ils se sont mis, c'est bien. Rennes, ils ont gagné. Au retour 3-1. Bon, ils étaient déjà un peu sauvés. 1-1-1-1-1. Ouais, quand même beaucoup de clubs nous qualifiés. Bon, ça c'est nous. Bon, Saint-Étienne, ils ont pété Clifton Vin 6-1. Bon, vous avez pas eu trop de mal, les mecs. Hein. Ouais, donc en fait, oui. En fait, tous les clubs français ont été qualifiés. Ils ont tous passé le premier tour. Alors, le sponsor offre une prime. Ah, merci. Oui, quand vous passez des tours de. Les tours dans les coupes, vous gagnez de l'argent, bien entendu. Oh là, bon, à Paris. Bon, on devrait se faire torcher. Mais c'est plus le grand Paris. Oh, on va aligner la grosse équipe, même sans. En y allant là, pas la fleur au fusil, plutôt. Plutôt la mort aux trousses, mais bon. Bon, Azerkat a été nul. Ferry, il est bon. Voilà, engagement moyen, oui, c'est bon. Moyen. On les marquer à la culotte, les mecs. On joue pas la monte, par contre, ouais, très, bon, très bas. Tire de loin, piège du hors-jeu, ouais, contre-attaque. Pas de soucis, les mecs, vous êtes bons. On va mettre comme meneur. Béranguier. Non, non, Béranguier, pardon. Et ça devrait être bon. Notre junior, Fabien Oudel. Ok, bon, allez, on attaque contre Paris. Qu'est-ce qu'ils ont un peu Paris au fait, comme. Je crois que j'avais déjà regardé un peu qui ils avaient. Comparaison équipe. Voilà la grande équipe de Paris, quoi. Landreau. Waouh. Maintenant, il est commentateur sur Canal+. Sam le Kebab. Si normalement. Ah, je crois que je les avais déjà fait. Ouais. Je m'étais déjà foutu de. Bon, Louis Ndoula devrait marquer, il me semble. Parce que vu qu'il est meilleur buteur, je crois, dans le. Dans cette partie. Oh putain, si on fait 0-0, je me touche. Ouf. Ouf. Ouf, c'est bien ça. Ah, ma défense, tiens, là, tiens le choc. Ah ouais, mais milieu gauche, j'ai personne qui sait jouer milieu gauche. Béranguier ou Gavanon, je vais virer Gavanon. M'en refoutre Malonga. Bon, Youssouf, il me déçoit, mais bon. Écoutez, on refout Tadji, plutôt en milieu offensif et juste Dia en pointe. Je pense que c'est peut-être la bonne solution pour. Ouf, le match nul contre Paris. Bah alors, les Parisiens, vous êtes. Eh voilà, mon Roc, Abdeslam Ouadou. Bah alors, les Parigots. Oh putain, regardez la gueule du banc parisien. Edel, ah, oh, celui qui a 50 nationalités. Bourillon, le Zoul, Julie, Younous Sankaré. Oh putain, la gueule de. Ils avaient pas aligné Louis Ndoula. Ils s'étaient dit que j'étais nul alors qu'ils allaient me gagner. Bah écoutez, un point contre Paris, je suis fier. S'il fait, bah qu'on est toujours avant-dernier, mais on a 5 points quand même. Ah, franchement, très content. On a fait deux tirés. Oh putain, un point contre Paris, c'est inespéré, hein, soyons sérieux.
Des spectateurs déçus par ce score nul et vierge. Ouais, oui, bah écoutez. Que voulez-vous que je vous dise, messieurs? Je vous ai défoncé. Oh putain, par contre, Le Mans, on va les défoncer. Philippe Blondel progresse régulièrement. Bien, bien. L'objectif atteint l'entraînement. Adelton. Oh bah putain, Adelton, alors que je vais bientôt te vendre. Bam, bam, bam. Oula, ça va. On n'a pas de match avant encore là. En 18 jours? 13 jours, pardon? Alors là, on devrait y avoir un peu de la. Oh merde, sauvegarde automatique. Il devrait y avoir un peu de. Matchs internationaux, j'ai un peu de mal à. Oui, voilà, matchs internationaux. Donc avant chaque période de matchs internationaux, on va vous demander de changer la liste si vous voulez la changer. Mais écoutez, j'ai la meilleure liste au monde, je ne comprends pas pourquoi je changerais. Putain, il y a Thierry Henry là? Oh putain, j'ai quand même pris Ulrich Le Pen. Écoutez, ah, j'ai Karim Benzema qui est blessé. Donc on va reprendre Thierry Henry pour le remplacer. On va juste faire ça, on va pas changer. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Oui, et puis je suis là, moi, Gaston Courbelot. Je peux remplacer Karim Benzema. Je suis meilleur que lui. Ah, peut-être, Gaston. Du haut de ton excellent ratio de statistiques. Oh, on joue contre la Serbie, j'ai vu. On devrait les défoncer. La Serbie qui n'est pas représentée dans le jeu, qui est mal représentée, ils n'ont pas leur. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas pu aligner bah, la vraie équipe de Serbie. Vous allez voir, c'est des randoms, des mecs qui n'existent pas. Qui n'existent pas dans la vraie vie, alors qu'il y a beaucoup de joueurs serbes. Pourtant, la Serbie a une bonne équipe. Ils ont de bons joueurs. Ah, ça y est, Fifi est de retour. Après un bon couscous, ça requinque. Alors, je prends des sponsors. Vos sponsors ont accepté votre invitation et vous félicitent pour avoir remporté la coupe. Donc, la coupe l'année dernière, hein, pas cette année. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, le rapport, on s'en fout. Ah, Junior Sin, donc le jeune que j'ai signé. Kawawe Murmaba. Finalement, 3 étoiles, gardien 46, 14 ans. Donc, il sera mis directement dans mon équipe jeune. Donc, Murgaba. Enfin, Murga machin. Oh, bah, c'est mon meilleur jeune, parfait. Cool. Ouais, donc la Serbie, le 11. Donc il y aura une petite équipe, comme j'ai dit, n'est pas représentée, n'a pas assez grands joueurs. La Serbie et les Pays-Bas pour le. Pour 2009. Pour les FP 2009. Ça c'est quoi? C'est ma réserve? Elle a quoi ma réserve? Ah non, non. C'est juste parce que j'ai mon match. Alors match contre la Serbie. Ouais, ils sont fatigués. Vous voyez la Serbie. 673. On va les défoncer. Hein. Et combien je suis finalement du coup? Ouais, j'ai gagné mon premier match contre la Belgique. Ouais, avec la Géorgie et la Serbie a fini. Ils ont fait match nul. Bon, ça devrait passer. Alors, mon équipe. On va faire le duo Thierry Henry-Trezeguet comme à la belle époque. Ah, Nasri, tu vas me remplacer Le Pen, hein, le grand remplacement, le voilà. Ah non, il y a Meriem, attends, non, non. Il y a le futur Zidane, là, laissez-le jouer. Oh, faut Calvé à la place de Mehdi, Calvé est meilleur. Moi, Gaston Courbelot, je suis là. Fais-moi jouer. Ah, puis Yann Rivière, après tout, t'es international français. Putain, j'ai mis Paprika en arrière-gauche. Alors, quand même, on fout de clichés, hein, faut pas abuser. Alors, la Serbie. Oui, bon, engagement très haut, y a pas de piège du hors-jeu. Normalement, la Serbie. Hop, pardon. Vous allez voir, ce sont que des joueurs qui n'existent pas. Vous voyez? Des joueurs créés spécialement ou non représentés, alors qu'ils ont de bons joueurs, la Serbie, hein, bien sûr. Bref, on va les défoncer normalement, ça devrait passer. Comme une lettre à la poste, pardon. Ah, faut cliquer, d'accord. Oh, j'aurais pu aligner. Brasiliano! Oh, ça commence bien, cliché blessé, et j'ai pas d'arrière gauche. Ah, si, voyons, j'ai Paprika! Ah, il est meilleur en allié latéral, de toute façon, on peut jouer en attaque. Hein. Ok. Ah, hé, Yann Rivière! Putain, le puits! Il est blessé, le puits! Putain, j'ai pas pris de défenseur central, la connerie. Oh, Narmendi peut jouer défenseur. Plus ou moins. Putain, 2-1, vous faites n'importe quoi. Ah, Cuf-Cuf, tu branles quoi? T'es aussi faible que ça, Cuf-Cuf? Putain, Gouvou, il était nu à chier, dégage. Ethan Ben Arfa va te remplacer.
Oh putain. Ça va être un gars. Ouf, ouais, c'est bon, allez hop. Oh putain, il a défoncé, 7-2, vous avez vu? Ça, c'est mes talents d'entraîneur. Hop, Paprika, t'as été nul. Henri très bon, ah, Govou, il était nul à chier. Oh, il avait dû boire un coup. Calvé moyen. Paprika, il était nul, putain. Et Rivière, il a mis son but, non? Alors, les marques. Ouais, premier but pour Johan Rivière, eh oui. Johan Courdois a marqué son premier but. Non, il a défoncé, c'est con. Oh putain, après on joue contre la Suède. Alors, Mathieu Collot est moins bon, on s'en fout, voir le rapport. Oh, y a pas des petits jeunes qui traînent un petit peu. Lusako, ouais, il doit coûter un peu cher. Earthpeace. Il est pas trop mauvais, lui. Vladimir Demiushkif. Oh putain, 1,7 million, tu te fais pas chier. Ouais, je t'en offre 1 million pour ta merde. Ah oui, c'est déjà assez. Un petit attaquant serait pas mal. Oh, Ruffier. Ouais. Ouais, Sako, je prendrais bien. Alors. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Oh, Mazar a fait 2-2. Étienne Touré s'est montré bon. Ouais, il est un peu nul. Première sélection, comme s'il veut son contrat. Oh merde! 100 000 balles! Putain, mais quel con! J'avais mis une prime s'il était sélectionné 100 000 balles. Ah oui, parce que j'avais dû mettre une prime en me disant qu'il sera jamais sélectionné, ce con. En fait, je l'ai sélectionné moi-même. Putain, je me suis foutu une balle dans le pied, quel con. Alors, le rapport de sélection, bah c'est tous les joueurs, quoi. 11, 9, 13, ouais. Ok. Bah, du coup, on a gagné quand même notre premier match, je suis plutôt content. La Suède, bon, la Suède. Alors moi, ils ont une bonne équipe, les Suédois. Enfin, une équipe correcte, on va dire. Alors, qui? Cocabas! Eh, Charlito, il est là. Charlito, il revient en forme. France-Suède. Alors, oh, putain, j'ai quand même des blessés. Ils sont blessés longtemps, c'est con. Clichy, blessé 4 semaines, ah oui. Et, blessé combien de temps? Le puig blessé 10 jours. Bon, ça va. Bon, bah, du coup, on va passer un peu offensif là contre eux. Sinon, en brison, il me sert à rien. Hop! Alors, défenseur. Ah, ouais, j'ai galas quand même. Je me disais, putain, j'ai aucun défenseur, quel con. Ouais, mais rien. Bon, Rivière, il lui a chié, attends. Allez, joue Ben Arfa. Ben Arfa. Alors, on va voir un petit peu l'équipe qu'ils ont. Isaacson. Ah, oh, oui, il était gardien longtemps, lui. Edman, oh Melberg. Oh Hansen, putain. Quel daube. Hakim, il était bon Hakim. Ah, ils ont déjà Zlatan, putain, 85 et 9 étoiles de talent. Oh, puis Elmander, il a joué à Toulouse lui. Vous rappelez les Toulousains? Ouais, il était pas trop mauvais. Ouais. Bon, on devrait les battre, c'est con. On est un peu meilleur, un peu, je dis bien. N'en demandez pas trop. Oh bah oui, mais Kuf qui se blesse dès le début, putain. Moi, bon, Nasri, tu le remplaces. Oh là là, on s'est pris un but d'Hanson, quoi. Sérieux. Ah mais Narfan, nul à chier. Bah allez, Roten. Ah mais putain, aucun est capable de jouer milieu... Ouais, on joue à milieu gauche, milieu droit, parce que là... Allez, Dia, mon dynamiteur, ça y est. Trezeguet, il dégage. Ah putain, on se fait un peu défoncer, quand même. On va faire une défensive plus classique. On va pas jouer en contre-attaque. Mon meneur sera Nasri et mon puissant sera Henri. Allez, allez! Oh ouais, ok, merci, merci. Merci pour ce moment, quoi. 4-2, on a perdu 4-2 contre les Suédois. Putain, mec, 16-5, t'es vraiment une quiche. Calvé 9, t'es une vraie merde. On a tiré combien de fois au but que je rigole? Putain, on a tiré 3 fois au but, quoi. Là, les dos. Oh là, vous étiez nuls. Bon, écoutez, 2 victoires, 1 défaite en tout. C'est pas trop mal. Alors pour la qualification, il faut être premier ou deuxième. Ah, deuxième, ça joue au meilleur deuxième, il me semble. Bon, c'est pas... Voilà, c'est tout, mes gars, c'est pas... C'est pas encore si terrible que ça, fort mais on est. On s'en fout, c'est les blessés. Alors, petit topo, on est troisième, donc avec 6 points. Avec la Géorgie et la Suède devant, putain.
Wow, c'est pas catastrophique. Bon, par contre, contre Le Mans, il faut qu'on les pète là. Ah, si on les pète, ça pourrait nous sauver. Est-ce que Le Mans, ils sont 20e? Oui. Le 19e contre le 20e, attention. Voici le choc de la Ligue 1. Le 19e contre le 20e. Ah, je suis sûr que vous attendez tout ça. Hein. Voilà, je vais aligner l'équipe type là. J'en peux plus, il faut que je les pète. Bon, en fait, elle est déjà alignée. Ah, milieu droit, il me faut un milieu droit là. Je peux plus tenir avec l'équipe de taupe que j'ai. Malonga, Grégorini, Adelton. Ah ouais, il manque un milieu droit puis un milieu gauche. Hein. C'est le même problème qu'au début. Alors. Seriez-vous... Ah oui! Mon adjoint pense que Brison serait bon en attaquant. Oui, bah mon adjoint est un peu con, je pense. Ah, je peux signer un nouveau junior. Alors quand il y a écrit signer un nouveau junior, sûr que le junior sera plutôt moyen, hein. Fabien Givert. Je le prends quand même, parce qu'il ne peut pas être pire que les dopes que j'ai. S'ils mettent pas exceptionnel ou une connerie comme ça. Ouais, très élevé. Je vous donne en plus une prime de match. Ouais, c'est bon. Alors, l'équipe du Mans. Donc le Mans qui est maintenant national ou je ne sais quoi, parce qu'ils ont été relégués administrativement. Oh putain, ils avaient Pelé, ils jouent maintenant à Marseille. Oh, je l'aimais pas trop. Ce camarade. GDR, oui, ça me dit quelque chose, lui. Ben Frech. Oh, Coutadeur, il a joué à Monaco. Ouais, t'es pas mauvais, mais après, c'est un peu perdu, mon Coutadeur. Ah, Gervinho, il était bon. Il joue maintenant à Rome. Ah, vraiment très bon. Ailier droit. Lama. Ah, mais il a aussi été bon. Bon joueur, bon joueur. Oh putain, le Talek. Il a joué chez vous. Oh là, quel quiche le Talek. 72, on va arrêter de rêver, mec. Rodolphe Roche. Ah, Bourse. Il a une drôle de tronche. Et puis il est blanc, il me semble. Ludovic Ball. Avec son frère, Trou. Lol. Oh putain, Elstad. Il était marrant, Elstad. Bon. Allons-y, game. Si on gagne, on pourrait sortir un petit peu de la zone rouge. Ah, si on gagne, on va encore faire un pauvre match nul. Oh putain, on perdait déjà contre Germino. Kamani Hill, sauve-moi. Je suis au bout de ma vie. Du chemin, ouais, Zerka. Fais-nous un Z, Zerka. Moi du chemin! Il est là, moi du chemin! Ah putain, match nul, c'est nul à chier, putain. Match nul, mais putain, on devrait le gagner ce match, quoi. Oh putain, une victoire en 10 matchs, je croirais le FC Metz. Allez, mon du chemin. Attends, Sochaux, ils sont combien, Sochaux? Ah putain, ils sont 9e, ils ont une bonne équipe. Bon, match nul, c'est mieux que rien. Je zéro, ne trouve pas la solution, et regrette les occasions ratées. Est-ce que l'on peut rebondir? Non. Ah putain, il y en a qui disent qu'ils peuvent rebondir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une meilleure équipe que moi, ça que vous dites? Ah, c'est bien du chemin, tu ferais peut-être aligner. Ah, Bianca, il a progressé, c'est bien mon Bianca. Bon, bon, bon. Oh putain, j'ai déjà mon premier match de Coupe d'Europe? Ah putain, contre Copenhague. Ah! Et on a l'air qu'on n'a pas vu notre calendrier. Donc, notre calendrier, donc oui, il y a Copenhague qui se glisse ici. Donc, il y a une équipe. On devrait battre. Et le mois prochain, on a le Zénith, le Lokomotiv Moscou, pardon, et les Young Boys. Et notre dernier match, ce serait. Ah oh, putain, quand on finit contre sur Everton. Ah oui, ça va être chaud quand même. Bon, ça fait beaucoup de matchs, tout ça, dites donc. Bon, le FC Copenhague, donc club danois, bien sûr. Copenhague, c'est au Danemark. Un agent propose un jeune talent. Un talent monstre, d'un futur international. Ah, pas mal, sauf que c'est un vrai temps bon joueur. Donc, il a peut-être 4 étoiles, lui. Enfin 8 étoiles, enfin vous me comprenez. Talent 8, donc 4 étoiles dorées. Alors Copenhague. Ils ont déjà remporté son championnat à 5 reprises. Ah seulement. Ils sont 3e actuellement, d'accord. Ah ils ont un beau stade. Bon contre Copenhague là. J'aligne l'artillerie lourde. Je vais aligner mon joker. Yes! Je suis aligné moi Gaston. Je suis le joker. Ouais avec lui. On va s'en sortir, on va me faire jouer Uzukoma là, machin.
Ah non, Duchemin, il avait bien joué. Duchemin, franchement, tu te l'as joué. Je vais laisser Bianca, non, je vais foutre Elder, tiens. André, lui, Swadou, ouais, ça me va. On va calver, tu restes ici. Je fous juste mon dernier défenseur central. Bon, rester en haut. Piège de rejon, on s'en fout. Tire de loin, ouais. Donc, ouais, ils ont des Lodrups, ça c'est marrant. Bon, on va voir ce que ça donne. Contre Copenhague. Allez, c'est l'Europe, on devrait se sublimer. Même si on joue dans le froid danois. Bon, Gaston, qu'est-ce que tu fais? Il essaye de marquer, mais je suis fatigué. Il fait trop froid ici. Tiens, on s'est mis Scooby-Doo, tu remplaces André Luiz. Faut pas qu'il se prenne trop de jaune, sinon je vais avoir des problèmes après. Ah, Duchemin, t'as été nul, bah c'est Ngombo qui te remplace. Mon international camerounais, attention, il est là. M'en l'air. Ouais, 0-0, un bon 0-0. Elder a bien joué. Écoutez, un bon 0-0. Ouais, vraiment très équilibré, quoi. C'est mieux que rien, on va dire. Ah, Paprika, il commence à être fatigué. Bon, faut jouer Rivière le prochain match. Ah, contre Sochaux, ah merde. Déjà, putain. Ça va vite. Laissez-moi gagner. Alors, contre Sochaux. Ah, putain, j'ai André Luiz qui est out. On fout de Gavanon, parce que j'ai pas confiance. Donc, André Luiz s'est pris trop de jaune, donc il est suspendu pour ce match. Ok. On va retenter Edia. Parce que Curvelo était nul à chier. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'on attend de Curvelo? Et donc, on va foutre. Il est où, il est où, il est où? Yann Rivière, ouais. Est-ce qu'ils sont une meilleure équipe que moi? 782, je suis à 765. Ah, ouais, quand même. On va essayer de gagner, hein, mais putain, vous voyez mon animation offensive avec eux. Peut-être footage comme ça. Ouais, allez, on va jouer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ma réserve a un souci. Ah oui, j'ai un défenseur qui est blessé, putain, qu'est-ce qu'il a foutu? Hop. J'ai même pas de milieu gauche dans ma réserve, comme là, l'équipe. Alors, ouais, rapport, on s'en fout, je leur tiens l'objectif. Et regain de forme, Kokavas est dans la place. Alors, on voit un peu l'équipe de Sochaux. Merde. Les Sochaliens. Les comptes Sochaliens. Ceux qui nous disaient, ouais, on vous aime pas les Nancéens. Bah, tu sais, on en a rien à foutre. Comme je dis, on en a rien à foutre de vous, les Sochaliens. Oh putain, Feulhaby. Genre, il a joué à Sochaux, lui. Ah ouais, putain, il a joué longtemps chez vous. Il était pas très bon, hein. Carlo, oh putain, l'équipe de dos. Ah, Maurice Bellet. Un but en 150 matchs, non? Ouais, un but en 32 matchs, bon, c'est la même chose. Je suis à Bordeaux maintenant. Il était marrant, Maurice Bellet. Oh, Dalmat, quel connard, putain, alors lui. L'enfant terrible. Foutait le bordel partout, il allait, ce con. Ouais, Erding, il était bon, ouais. Le Turc Erding qui était bon. Birsa aussi, il a joué à Milan. Oh putain, Jérémy Gavano, vous pensez que c'est le frère du Benjamin? Je crois que c'est son frère, non, non? Il me semble que c'est son frère, le Jérémy Gavano. Oh putain, il a pas dû avoir une grande carrière. En même temps, s'il jouait à ce chou, il a pas dû avoir une grande carrière. Hein. Alors, bon, faut qu'on vous batte, les Sochaliens. Ouais, ce sera pour une autre fois, écoutez. Oh putain, mais. Oh, Samy, mais quelle merde ce type. Ouais, Kamani. Et Eke. Voilà l'équipe de merde qu'on a quand même. Oh là là, non, je t'ai vu, c'est bon, et ce chien, je vous laisse la victoire. Voilà, Gavanon, tu me déçois. Oh là là, quelle équipe de merde qu'on a. Ça a bien tendu parce qu'on est quand même à 3 points de la 17ème place, putain. On avait 3 matchs nuls, on a fait 6 défaites et une victoire. Et le prochain, on joue contre Monaco. Ah, ils sont dans une pente descendante, Monaco. On va peut-être s'en sortir, hein. Oh, personne de mon équipe. Ah, il y a Carlo chez vous, tas de Sochaliens. J'avais vraiment pas que les Sochaliens nous détestaient. Ah oui, évaluation des nouveaux joueurs. Alors, Tuyo de Melo semble être le bon joueur. Putain, 9, 7 buts en 9 matchs. Réel progrès, bah Wadou. Wadou a fait de bons progrès. Je regarde un peu juste pour les miens, tu sais. Julien Ferret serait dans les bonnes affaires.
Ouais, il a joué quand même 8 matchs, c'est vrai que... Joueur moyen, Calvé, Elder. Et Kameni Hill. Ouais, ils ont buté en 5 matchs, Kameni Hill. Et les fiascos, Johan Rivière. Ah bon, c'est un fiasco. Eke Udzoma, Joel Samy. Oh putain, toutes les merdes qu'on a pris. On a eu beaucoup de déchets, effectivement. Oh, Kamerlin, il a mis 2 buts, vous avez vu? Et la gueule plus bon Kamerlin. Putain, Kamerlin Adjei qui se la révolte à la réserve. Ah putain, c'est tout lié. Oh, ils ont pas une si grosse équipe que ça, mais d'accord, remarqué, 159. Ah, c'était l'époque où ils étaient 10e, 12e. Monaco! Allez, bon, on va essayer de vous battre les monégasques. Ouais, je remets l'équipe type. Dia, il me déçoit quand même, pas beaucoup de buts. Sa forme, elle commence à baisser. Je vais foutre Fortuné, écoutez. Je vais laisser Rivière, je vais foutre. Ouais, je vais foutre Zerka, les Zerka, t'as le droit de jouer ton match. Oh là là, comme une équipe de merde. Sauve-toi, Gaston. Je suis le meilleur you are. Alors, ils avaient qui, Monaco? Ah, Flavio Roma. J'aimais bien. Civic aussi, j'aimais bien. Cuffré, ouais. Ah, Meriem, le Kamel. Ah, Bernardi. Putain, un peu Krivak, qu'on l'a oublié, le mec. Je me souviens de sa petite tête, il a une bonne tête. Ah, Alonso, je l'aimais pour, il était con. Yacpe, j'aimais bien. Nimagno aussi. Adu, la pépite Adu. Lol. Ruffiel CRS. Et là, Modesto, j'aimais bien. Il était corse, il brisait bien les jambes, lui, il était marrant. Oh, Jarcoleco aussi, lui, cassait les jambes. Mongongu était bon. Ah, Pino, il était bon aussi. Oh, les autres, c'est des. David Moquet. Ok. Sani Keita, putain, il a joué un match, après on l'a foutu en Russie. Il a plus rien joué. Steve Roux, très bon à l'entraînement. Bah, en même temps, il est aidé par le diable, messieurs. Alors, mon junior là, qui devait être bon, la Sagan Setia. Eh, oh putain, 3 étoiles et demie. Eh, DC 54, il est plutôt pas mal. Il est meilleur que toi, il est meilleur que la moitié de ma réserve. Ah non, il est mis dans les 16 ans. Putain, il est même meilleur que mes joueurs. Oh, regardez, putain, c'est mon meilleur joueur, Sagan Setia. Voilà, vous voyez, j'ai reçu un bon joueur. Bon défenseur central. Là. On va vite lui mettre un mentor. Voilà. Tu vois, Sagan Setia, tu pourrais apprendre à jouer à Anthony Lewis. C'est très bien. Bon, dernier match du mois. En avant, enfin, espérant gagner, ce serait sympathique. Il me faut des points là. Je prends des points d'impôt. Ah merde, j'ai cru que c'était moi qui avais marqué. Ah non, c'est Kamel, Meriem, putain. Mais sérieux, vous êtes des merdes. Ouais, ah, bien, ok, remplace-moi lui. Kamel, sauve-nous. Sauve-nous de la débâcle. Ah bah 2-0 putain. Nimani, Kamel, Meriem. Ok, bien joué les mecs. Vous êtes vraiment des quiches quoi. Oh putain. Oh là là, merde. Les autres ont gagné. Enfin, ils ont pris un point. Ouais. Bah ça se passe plutôt mal là. Il va falloir que je prenne des points rapidement. Mais vraiment rapidement. Parce que là, je suis coincé. C'est à mon dernière place. J'arrive pas à m'en sortir. Aidez-moi, aidez-moi. Je suis dans une spirale négative. Une spirale infernale. Non, pas équipe. Alors, les prochains matchs. Ouais, ça va. Valenciennes-Caen, faut qu'on gagne ces deux matchs. Puis à la limite, Bordeaux. Bon, bah, Bordeaux, on va perdre, mais c'est pas trop grave. Non, tu dois pas être bien classé. Non, équipe. Nantes, ouais. Mais quand Valenciennes, si on les bat, on s'en sortira, je pense. Enfin, j'espère. Donc voilà, bah c'était le mois d'octobre, le prochain mois en novembre. Donc Bordeaux, ça va être dur, mais Valenciennes, Caen et puis Nantes, ça pourrait passer. Santé, ça devrait aller. Enfin, on va perdre, mais bon. Les Young Boys, le Zénith, le Locomotive, pardon, je sais pas pourquoi je dis. Zénith, mais bon. Et après en décembre, on finira sur Lorient et Grenoble qu'on peut gagner, je pense. Et Marseille, bon, on risque de perdre. Et après, ce sera la trêve internationale. La trêve hivernale, pardon. Merci d'avoir suivi, puis à la prochaine.